Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le remplissage de mes enveloppes. Donc sur YouTube, vous allez la voir. Par contre, je ne ferai pas tous les bilans. Les bilans seront sur Facebook. Donc là, sur YouTube, pour le moment, je ferai uniquement le remplissage et le bilan du fin de mois. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toutes d'être venues en masse. Merci beaucoup, ça fait plaisir et merci pour votre gentillesse. Voilà. C'est tout. Bon, je vous descends. Donc voilà le retour du petit classeur. J'ai essayé de faire un petit peu de place. Ça va se faire un peu bazar. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que je n'ai pas mis le micro. Je vais essayer de parler clair. Bon, après, ça va être rapide. Hein, le remplissage, c'est jamais. C'est toujours simple. Bon, bah, je suis restée exactement sur la même ligne que d'habitude. Depuis des mois, c'est pareil, je reste, ça fonctionne, donc je reste comme ça. Alors, dans l'alimentation, je suis toujours à 240 € par mois, que ce soit 4 semaines ou 5 semaines. Ça fonctionne, ça va, on y arrive, pour le moment. On arrive à suivre, en sachant que, hein, celles qui me connaissent, j'ai des réserves, hein, je fonctionne avec un stock. Donc, pour moi, ça me va bien. Donc, on va mettre les 60 €. Là, j'ai commencé à pré-remplir. Hein, ça évitera de prendre trop de temps. Donc, 60 € par semaine pour l'alimentation. Donc, j'ai déjà pré-rempli. Là, sur ma carte Carrefour actuellement, je vais payer les petits tickets. J'ai 202 € qui servira donc pour les anniversaires du mois de juin, comme je fais depuis des années. Alors, en santé, je mets toujours des 20 €. En tabac, je mets toujours les 80 €. Je pense qu'il va falloir que je m'achète une cigarette. Alors, ça fait un moment, je le dis, mais j'ai fait tomber la mienne plusieurs fois et elle fuit vraiment. Donc là, bon, ça va, mais je pense qu'il va falloir que je songe à la changer. Donc, je vais mettre les 80 €. Et c'est possible que j'en rachète une autre pour le coup. Là, je mets les 80 € dedans. Hygiène, entretien, je vais mettre 20 € en sachant que normalement je ne devrais pas en avoir besoin. Ceux qui ont vu mes retours de course, j'ai pas mal d'avance. Donc, normalement non, mais bon, il suffit de. On les mettra en épargne si je m'en sers pas. En essence, je vais mettre comme d'habitude, en sachant que je ferai moins de kilomètres. Donc normalement, je ne devrais pas avoir besoin des 30 €. Donc là, j'ai la moitié du plein. Donc bon, je les mets quand même, je les mettrai en épargne. Au début, je ne voulais pas les mettre. Et puis, enfin pas tout. Mais bon, comme j'aurai des papiers administratifs à faire, je risque d'avoir besoin de circuler. En hiver, je vais mettre 20 €. En divers, comme je dis, hein, ça peut être un timbre, ça peut être un collier envoyé, ça peut être tout et n'importe quoi. Ou Ilan qui a besoin d'une sortie, qui va manger ses sous, on les prend dans cette enveloppe-là. Les promos, toujours, je mets mes 20 €. Si je ne m'en sers pas, je les mets dans mon enveloppe épargne promo après, pour faire donc mon plein de congélateur, et comme je fais toujours. En fait, j'ai rien changé. Hein. En loisir, je mets 20 €. Alors ça, j'avais augmenté un peu, hein, parce que là, il grandit et puis il fait plus de choses. Donc, je mets 20 € s'il veut aller voir un film, s'il veut aller manger un truc avec un copain, enfin bref. 20 €. Ça, c'est vraiment pour une petite sortie. Ilan, je mets 20 €. Alors, parce que, pour les mêmes raisons. S'il s'en sert pas, on le mettra après dans son enveloppe à lui, parce que c'est les siens. Bon, il a grandi, hein, donc forcément, il a des besoins, il a envie d'aller avec les copains, enfin bon, normal quoi. Céline, elle, on va lui donner 10 €, voilà, ça lui suffira bien. Et Léon, lui, il a 20 €.
pareil, si je m'en sers pas, parce qu'en général, sa viande, je la prends avec, dans mon alimentation, mais si bon, il peut y avoir besoin de quelque chose, et si on ne s'en sert pas, je les mets après dans son enveloppe vétérinaire, puisque celles qui ont suivi, enfin, pas toutes pour le coup, Lyon va avoir une petite intervention chirurgicale à faire, et ça servira pour ça. Donc là, j'ai vu, j'avais des bons. Là, j'ai un bon, et là aussi. Donc, il va falloir que j'aille le... C'est un bon 5 euros, je crois. Oui, 5 euros. Donc, si j'ai besoin de croquettes ou je ne sais quoi, je le prendrai avec ça. Donc, voilà pour Pépère Léon. Oui, donc ça, c'est fait. Donc, ça, c'est vraiment mon petit classeur. Alors, celui-ci, pour ceux qui vont peut-être me demander, je l'ai eu sur Amazon. C'est un A7. Et dans celui-ci, je vais mettre donc l'alimentation pour le mois, parce qu'il reste du mois, hein, donc je mets le reste. Voilà. Le coiffeur, je mets 10 euros comme toujours. Et en vêtements, je vais mettre aussi les 10 euros pour le mois si on a besoin de quelque chose. Et là, bon, c'est la rentrée des classes, il n'y a pas besoin. Le col, il y a ce qu'il faut. En sachant qu'il ne mange que la cantine. Donc là, je suis à 327 euros, puisque la pension alimentaire de papa, quand il me la donne, je la mets là. Comme ça, pour la rentrée des classes, je serai prête. Bon, ça, c'est l'épargne du monde, il n'y est pas encore. Et voilà, le reste, on est bon. Donc voilà, pour le mois de mai, on est paré. Je vais ranger tout ça. J'espère que pour vous ça va aller, hein. On fait attention, hein. C'est pas facile pour tout le monde, hein. C'est vrai que c'est compliqué là, on fait comme on peut surtout, hein. Ne mettez pas la pression parce que ça ne sert à rien, de toute manière on ne peut pas contrôler ce qui se passe, donc on fait vraiment de son mieux, c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, donc moi je suis en vacances donc c'est sympa, ça fait du bien. Et puis, on se retrouve et écoutez, dans les messages. Et merci encore pour toute votre bienveillance et votre gentillesse. Et pour toutes les personnes qui se sont réabonnées encore, bien évidemment, merci. Moi, je vous fais plein de bisous et passez une très bonne journée.